Je ne peux pas être son père. Mais pourquoi? Je ne prenais pas la pilule. Tu te promenais en moi à découvert. Hein. Si tu veux connaître les détails, je tardais parfois à me laver pour garder le plus longtemps possible ta laitance en moi. J'ai du lait, certes, mais pas de graines. Pas de graines? Mais comment chantes-tu là? Je suis stérile depuis toujours. Azospermie totale. Tu mens! Je ne mens jamais! Enfin, jusqu'à présent. Et tu as dit la vérité à ton fils? Ce n'est pas mon fils, et je ne lui ai rien dit. Il est persuadé que je suis son père, et je n'ai pas démenti. Ah, tu comptes sur le temps pour lui annoncer? Autant ne pas lui donner de faux espoirs. Non. Je ne lui dirai jamais. Il a besoin d'un homme pour lui donner envie de vivre et d'un père pour le protéger de la tentation de rejoindre le giron de sa mère morte. Tu l'adoptes? Il m'a adopté le premier. Il est l'homme qui m'a donné envie d'être père. À défaut de lui avoir donné la vie, je vais lui offrir mon nom. Tu vas lui mentir, alors? Je vais le laisser croire. Et oui, je suis prêt à mentir aux autres pour défendre sa croyance. Je me suis senti complet à l'instant qu'il m'a désigné comme son père. Depuis que Rodolphe est mort, depuis que mon père est mort,